Quel gâchis pour des gens comme vous. Qui vous a donné ces chiens? Qui vous a procuré ces uniformes? Qui sont vos complices? Assez tremblé! Monsieur le commissaire. Je suis pas commissaire! Je suis major Arbach! Excusez-moi, monsieur le major, je vais gagner du temps. On va pas perdre de temps. Je vais tout vous dire. À la bonne heure, vous devenez raisonnable, Kapellmeister. Alors? Alors voilà, j'avais rendez-vous le lundi 15 novembre. Bon, c'est bon. Excusez-moi. Peter. Alors, j'avais rendez-vous le 15 novembre avec le commandant Jean-Pierre, qui en réalité est le sergent Henri, et de son vrai nom, Maréchal. Il s'appelle Maréchal. Il y a une petite erreur, Major Arbach. C'était pas un lundi. Quoi? C'était un dimanche. Oui, c'est vrai, oui. Et d'une. Et c'était pas en novembre, puisque c'était en janvier. Voilà. Et le dénommé Henri ne s'appelait pas encore Maréchal? Non. Mais moi, je suis né en 14, moi. Oui, oui, c'était la Grande Guerre. Bah oui, c'était la Grande Guerre. La Grande Guerre. 4 ans. 4 ans, mais non. C'était terrible. 4 ans. Qui est ce maréchal? Je ne sais plus, parce qu'il m'interrompt tout le temps. Il tousse, il crache sur livre, et il tousse, il crache sur livre. Voilà. Non. Non, mais rappelez-vous. Oui, attendez. C'était Place des Victoires. Oui. Juste en face de la statue de Louis XIV. Vous avez vu une statue de Louis XIV, vous? Oui. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Ben parce qu'à cette époque-là, les Allemands avaient déjà enlevé toutes les statues. Vous avez enlevé les statues? Oui, ben enfin, lui, c'est rien. Tu vois les autres, donc, Fankhoffen. Dis-moi, vous osez vous foutre? Hein? Je sais qu'il me manque 2 aviateurs anglais. Combien? 2. Oh, ça fait pas tellement. Vous savez où ils sont. Et moi, je sais qu'ils sont pas loin.